Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur Arkham, le JCE. On continue les cartes de la classe mythique de la boîte, le festin de Hemlock Vale. Cinquième vidéo pour la classe mystique. Et aujourd'hui, alors c'est un petit peu particulier dans la présentation. Pardon. Parce qu'on va voir trois sorts, trois améliorations de sorts qu'on avait déjà au niveau 0. Et à chaque fois l'amélioration est similaire, donc on va dire c'est une série de trois sorts. Et donc là ce que je vais faire c'est d'abord présenter chaque sort un par un et ensuite parler de comment exploiter l'amélioration pour chaque. Voilà. Donc première carte, forme éthérée. La version de niveau 0 on l'a eu dans le cycle Les Dévoreurs de Rêves. Donc un événement qui coûte 2, échapper à, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, désengagez-vous de chaque autre ennemi engagé avec vous, et pour le reste du round, vous êtes éthéré. Les ennemis ne peuvent ni vous engager, ni être engagés par vous, et vous ne pouvez ni attaquer, ni infliger de dégâts aux ennemis. Là, on a donc la version de niveau 2. Et le changement, alors, on gagne un icône libre, ok. Et la seule différence, c'est que si un symbole a été révélé lors de cette tentative d'évasion, vous renvoyez forme éthérée dans votre main à la fin de votre tour. Donc ce dont on parlera tout à l'heure, hein, pour rappel, il y a toujours l'index temporel dans la description, c'est de comment exploiter cette récursion. Bon, sinon concrètement, eh ben, vous avez un sort qui vous fait faire des tentatives d'évasion à agilité plus volonté. Donc pour qui c'est intéressant? Eh ben les investigateurs qui ont une agilité supérieure à 2. Enfin voilà, moi je considère que si on veut vraiment tirer avantage du bonus, enfin de l'ajout de l'agilité, il faut quand même avoir une agilité d'au moins 3. Évidemment. Tant qu'on a une agilité supérieure à 0, c'est un bonus, mais bon, faut quand même sélectionner un petit peu. Donc, on a, je crois que je les ai triés dans l'ordre de sortie, oui. Agnès Baker, elle a 3 en agilité. Séphina Rousseau, elle a carrément 4. Donc Agnès, ça fait 5 plus 3, ça fait 8. Séphina Rousseau, ça fait 4 plus 4, ça fait également 8. Akashi, 5 plus 3. Père Matteo 4 plus 3, Diana Stanley de 1 à 6 plus 3, donc on commence à 4, on peut finir à 9, je crois que je parle après des bonus, oui, Marie Lambeau 4 plus 3, Luke Robinson 4 plus 3, Sœur Marie 4 plus 3, Amina Zidane 3 plus 3, et voilà. Maintenant, eh ben, ces deux compétences-là que vous additionnez, vous pouvez les additionner. Par exemple, avec Pierre de la Lune, qui vous donne plus en volonté et plus en agilité. Bon, vous ne pouvez pas le jouer depuis votre main. Après que vous l'avez défaussé, vous pouvez jouer Pierre de Lune en payant son coût. Et je pensais l'avoir précisé. Pierre de Lune, c'est très intéressant pour que je la retrouve. Ah oui, elle est pas là parce qu'elle a pas une agilité supérieure à 2, elle a justement une agilité de 2. Comment elle s'appelle? Patrice, voilà, hop. Voilà, donc, Patrice Huffaway, bon, elle est qu'à 4 plus 2, mais elle a sa mécanique de remplacement de sa main à chaque phase d'entretien fait que pour elle c'est très facile de défausser la pierre de lune pour ensuite la jouer. Voilà. Le classique Peter Sylvestre, hein, il vous donne plus en agilité, plus 1 en volonté. Il est accessible à Agnès Baker. Téméraire de niveau 3, plus 1 en volonté, plus 1 en agilité, et pour une ressource vous gagnez plus 1 à l'un ou l'autre. Ça c'est accessible à Séphina Rousseau. Et donc voilà pour le sort en lui-même, j'ai rien de plus à dire. Hein. Enfin, si, quand même bon.
Donc c'est de l'évasion, vous avez un bonus qui peut être très important. Si vous réussissez à vous désengager de tous les autres ennemis qui est engagé avec vous, ils ne peuvent plus vous engager, vous ne pouvez plus les engager, vous ne pouvez pas les blesser. Donc c'est un petit peu, ça ressemble un peu à une carte de truand, ça ressemble un petit peu à insaisissable. Insaisissable. Voilà. Hein. Qui vous permet de vous désengager et de vous déplacer. Là, ça ne fait que le désengagement, mais c'est le désengagement. Enfin, pardon, d'abord il faut réussir l'évasion, mais si vous réussissez, désengager de tous les ennemis avec lesquels vous étiez engagé, il vous réengage pas, bref, tous les ennemis avec lesquels vous étiez engagé ne vous font plus rien ce tour-ci. Voilà. Deuxième carte dans le même cycle, on avait eu lire les signes, un événement sort qui coûte 2. Enquêtez, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette enquête. Vous pouvez ignorer tout effet ou mot-clé de votre lieu qui devrait se déclencher lors de cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Et là, encore une fois, la version de niveau 2, un icône libre rajouté sur la carte et l'effet de récursion. Cet événement-là, bon ben, même raisonnement que tout à l'heure, hein, les investigateurs qui ont une intelligence supérieure à 2, et évidemment qui peuvent jouer la carte, Daisy Walker, elle est à 3 plus 5, Jim Culver, il est à 4 plus 3, Lola Eyes, 3 plus 3. Tiens, c'est bizarre que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Bon, j'ai dû oublier. Père Matteo, il est à 4 plus 3. Diana Stanley, pareil, de 1 à 6 plus 3. Marie Lambeau, 4 plus 4. Luke Robinson, 4 plus 3. Norman Weavers, 4 plus 5. Daisy, elle était à 3 plus 5. Donc Norman Weavers, c'est celui qui, de base, rien qu'avec ses stats imprimées, rend la carte la plus efficace. Amina Zidane 3 plus 3, Kouakou 4 plus 4, voilà. Voilà. Les boosts de stats, la clé de Saint-Hubert, plus en volonté, plus en agité. Witton Green de niveau 2, plus 1 plus 1. Ça sera très bien dans un deck Daisy Walker. Et Courageux de niveau 3, bon, c'est la plante de niveau 3, et là par contre. Et ben encore une fois, c'est pour Patrice Efeuwé. Voilà, qui a accès aux cartes survivantes jusqu'au niveau 5, aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2. Alors, le sort en lui-même, donc vous enquêtez avec un bon boost. Si vous réussissez, vous avez deux indices d'un coup, comme si vous aviez fait une enquête avec déduction. Et point intéressant, vous ignorez tous les effets ou mots-clés. Et ben ça. Ça peut être utile dans un certain nombre de cas, mais notamment quand on joue le cycle du cercle brisé avec tous les lieux qui sont hantés. Donc pour rappel, hanté, ça dit quand vous échouez un test de compétence pendant une enquête, vous résolvez l'effet hanté. Là par exemple, vous échouez une enquête dans le bureau, vous choisissez, vous défaussez une carte de votre main. Voilà. Mais bon, rien que le fait d'augmenter fortement ses chances de réussite et de trouver deux indices d'un coup, c'est très bien. Encore une fois, Arcane, le but c'est les indices pour finir le deck act. Et il faut, je sais pas comment dire, il faut survivre au scénario le temps d'avoir trouvé assez d'indices. Plus vous trouvez les indices rapidement, plus c'est simple de survivre au scénario. À niveau de difficulté élevé, en plus, lire les signes, bah déjà, ça augmente vos chances. Hein. Mettons que vous jouez Daisy Walker, vous testez à 8. Mettons que le lieu a une valeur occulte de 3, vous êtes à 8 contre 3, vous êtes à plus 5. Un petit bonus, vous êtes à plus 6. Ça augmente sensiblement vos forces, enfin vos chances. Et c'est là éventuellement qu'on va envisager de mettre le paquet. On se dit, bon, je suis à plus 5, je trouve deux indices d'un coup, c'est le test à ne pas rater, c'est aussi le test où j'ai déjà
un gros bonus, je mets tout. Pardon, je mets tout. Du style, j'attribue déduction de niveau 2, j'attribue la compétence analyse. Donc, j'ai dit 8. Avec déduction de niveau 2, ça fait 10. Avec analyse, ça fait 11. Vous testez à 11 contre 3, vous piochez le moins 6, vous avez réussi de 2. Enquête, un indice, lire les signes, le deuxième. Déduction, le troisième. Vous avez réussi de 2, quatrième avec déduction. Voilà. Et vous avez 4 indices en ayant besoin de réussir un seul test. Et vous avez analyse à côté qui fait que si par exemple vous piochez l'échec automatique, vous dites non, je repose un indice sur mon lieu, tant pis, je change de pion, et si le pion c'est comment dire, si le pion c'est autre chose que l'échec automatique, vous réussissez et vous avez 3 indices, donc vous récupérez votre indice et vous en gagnez 2. Et si vous avez moins 6 ou mieux, ben, c'est 4 indices, donc vous récupérez votre indice et vous faites un bénéfice de 3. Voilà. Allez, le troisième. La lame spectrale, c'était aussi dans le même cycle, ça je m'en souvenais pas. Donc là, c'est du combat, on ajoute sa volonté. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus un dégât, plus de dégâts à la place si l'ennemi est non élite. Même chose, niveau 2, il y a la récursion et il y a l'icône supplémentaire. Les investigateurs qui ont plus de 2 en valeur de force. Jim Culver, voilà, ça lui fait 4 plus 3. Bon, Jim Culver, il est relativement équilibré, donc pour lui, ça lui fait. Alors, dans l'ordre, on a dit que ça lui fait 6 ou 7 ou 7. Akashi, même réflexion. Là, ça lui fait 5 plus 3. Lola Eyes, même chose, hein, 3 plus 3 toujours. Diana Stanley, bah, même chose. Hein. Amina Zidane, même chose. Kouakou, là, c'est 4 plus 3. Et. Alors, j'ai rien de plus, donc je pense que je n'ai trouvé aucune carte de boost qui booste les deux à la fois. Non. Parce que combat plus volonté, on pourrait s'attendre à ce que ça soit l'aplomb des mystiques. Alors, je ne me souviens jamais combien ça s'écrit, aplomb. Voilà, c'est bien avec un seul P. Donc, l'aplomb des mystiques, mais l'aplomb des mystiques, il fait. Plus 1 à votre valeur de compétence pour lors des tests sur une carte sort. Si c'était plus 1 à toutes vos compétences, ça ferait plus 1 en volonté et plus 1 en force. Mais là, c'est plus 1 à votre valeur de compétence, c'est-à-dire que la valeur de la compétence, on la détermine en ajoutant volonté et force, et ensuite on ajoute un plus 1. Donc on a seulement un plus 1, alors que les autres aplombs faisaient un plus 2. Alors j'ai peut-être raté un truc, mais je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas vu de boost. Maintenant, donc voilà, maintenant qu'on a vu chacune des trois cartes, l'intérêt de ces événements, peu importe l'événement considéré. Déjà, ils ont le trésor. Le trésor, si vous avez l'atamé spirituel, vous donnez un plus 2 pour le test de compétence. Donc moi personnellement, si je maintiens ces événements dans mon deck, encore une fois, c'est que ce à quoi j'ajoute ma volonté vaut au moins 3. Et enfin, comment dire? Soit c'est un investigateur qui a une meilleure volonté que l'autre compétence, dans ce cas-là, l'autre c'est comme minimum 1 plus 3, donc ça fait minimum du 4 plus 3. Et si c'est l'autre compétence qui est la bonne, qui est celle de plus haute valeur, c'est en volonté que cet investigateur a au moins 3. Donc concrètement, à chaque fois, on part sur du 4 plus 3 ou 3 plus 4 ou 2 plus 5 ou 5 plus 2. Bref, on est sur 7 ou 8 et il y a le record de Norman Weavers qui est sur du 9 pour lire les signes. Et Diana Stanley. Une fois qu'elle est montée à 6 en volonté, pareil, elle est à 9. Et donc, avec l'atamé spirituel, vous donnez un plus 2. Donc, vous faites votre test à, enfin, de 7 à 9 plus 2, donc de 9 à 11. Bon, bah, c'est extrêmement efficace.
Prophétique, même chose, hein. Alors, prophétique a deux utilisations. Sur prophétique, vous remettez deux ressources au début de chaque round. Les ressources dessus peuvent servir à payer vos sorts. Et les trois sorts coûtent 2. Donc prophétique vous paye le sort à chaque round. Ou alors, vous utilisez ces deux ressources pour vous donner un plus 2. Ou alors une combinaison des deux. Alors attention, prophétique ne vous permet de vous booster qu'avec les ressources sur prophétique. Vous ne pouvez pas dire « je prends les deux ressources de prophétique pour payer la carte et deux ressources de ma réserve pour me booster 2 ». Ça marche pas. Mais voilà. Donc soit ça vous paie la carte, soit ça augmente vos chances de réussir. Robe de la nuit éternelle, version niveau 0, ben ça diminue de 1 le coût de la carte, une fois par round. Et de niveau 2, quand vous la jouez, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, alors ça sera uniquement intéressant pour lire les signes. Notamment si vous êtes Robinson, voilà. Luke Robinson, il peut jouer les événements sorts, enfin même les événements tout court, je crois, dans n'importe quel lieu connexe. Donc vous êtes dans votre espace là, je sais plus comment ça s'appelle là, la dimension parallèle, bon, mettons. Vous êtes connexe à tous les lieux révélés, et vous dites, bah je joue lire les signes dans ce lieu révélé, il y a un ennemi, et ben grâce à Robe de la Nuit Éternelle, je ne me prends pas d'attaque d'opportunité. Alors que vous vous demandez, c'est un grand verre de café, hein, c'est pas une bière, que je bois. Diana Espérance, bien évidemment, donc une alliée de niveau 3. Alors de niveau 3, donc, à l'exception de Lola Eyes, et également, je ne l'ai pas mentionné, mais on pourrait aussi parler de Charlie Kane. Mais voilà, à l'exception de ces deux-là, comme elle est de niveau 3, elle pourra entrer que dans un deck de mystique qui est une autre bonne compétence. Et elle, l'intérêt, c'est qu'elle a 3 secrets. En action rapide, pas uniquement quand elle arrive en jeu. En action rapide, on lui attache un événement sort de sa main. Et l'événement qui lui est attaché, on peut le jouer comme s'il était dans sa main. Il faut en plus qu'on... Et sans le défausser après. Et le coût additionnel, c'est incliner Diana et dépenser un secret. Donc elle vous permet de rejouer ces événements à répétition. Alors, les versions de niveau 2 ont une mécanique de récursion. Donc ils ont déjà un effet qui dit « tu ne le défausses pas forcément après utilisation ». Le truc, c'est que les versions niveau 2, c'est « tu ne les défausses pas forcément ». Il y a des cas où on le défausse. On joue lire les signes, on révèle un plus 1, on révèle un pion du chaos plus 1, et ben on doit le défausser. Avec Diane Espérance, non, pas la peine de le défausser. Et si par exemple sur la troisième utilisation, en utilisant le dernier secret qu'elle a sur elle, on révèle un pion avec un symbole, l'événement remonte en main, et ensuite soit vous le jouez depuis votre main, parce que tant qu'il est attaché à Diana et qu'elle n'a pas de secret sur elle, l'événement n'est plus jouable. Si vous l'avez remonté en main, il est jouable depuis votre main. Et vous pouvez aussi plus tard remettre des secrets sur Diana Espérance, puis lui rattacher en action rapide cet événement, et de nouveau l'utiliser avec Diana Espérance. Ou alors vous remontez Diana en main, vous la rejouez, vous lui rattachez le sort, et de nouveau vous utilisez sa capacité. Alors qu'avec les sorts de niveau 0, une fois que Diana n'a plus de secret, si vous la remontez en main, le sort qui lui est attaché est défaussé. Voilà. La carte extatique, la compétence extatique. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Bien évidemment, si vous avez attaché lire les signes à Diana Espérance, donc vous testez à 7, 8 ou 9, vous attribuez extatique, vous testez maintenant à 8, 9 ou 10. C'est facile de réussir l'enquête, et si elle est réussie, un secret
et vous aurez une nouvelle utilisation de lire les signes. Agnès Baker. Alors le truc avec Agnès Baker, c'est surtout... Ça, c'est la version normale de la boîte de base. Sa carte signature, c'est l'héritage d'Hyperborée. Un accessoire qui coûte 3, bon, peu cher, mais réaction après que vous avez joué une carte sort, pioché une carte. Donc des événements qui ont un effet de récursion, effet de récursion une fois par round, ben vous avez des chances à chaque round de jouer un événement, et donc à chaque round, vous piochez une carte avec l'héritage d'Hyperborée. Et point important, il n'y a pas de limitation. Si pendant votre tour, vous faites par exemple l'âme spectrale pour infliger 3 dégâts à un ennemi, cet ennemi n'est pas vaincu, donc vous faites... comment ça s'appelle déjà? Mince, comment ça s'appelle? Forme éthérée, vous lui échappez, puis maintenant qu'il est incliné et que vous ne craignez rien, vous faites lire les signes. Avec vos 3 actions, vous avez joué 3 sorts. Avec l'héritage d'Hyperborée, vous avez pioché 3 cartes. Il faut payer les 3 sorts, certes, mais bon. Luke Robinson, ce que je disais avant, à chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Et sa boîte de portail vous permet d'aller dans le portail onirique. Portail onirique qui est connexe à chaque autre lieu révélé. Donc pendant votre tour, action rapide, vous allez dans le portail onirique, vous êtes connexe, vous êtes dans un lieu connexe à chaque lieu révélé, et maintenant vous regardez ce que vous avez en main. Soit vous dites, eh bien, je combats cet ennemi qui est dans n'importe quel lieu révélé, soit j'enquête dans n'importe quel lieu révélé, soit je choisis un lieu dans lequel se trouve un ennemi. Je reformule. Vous dites, je joue forme éthérée comme si j'étais dans le lieu X, voilà. Comme vous jouez comme si vous étiez dans ce lieu, on vous considère engagé avec tous les ennemis de ce lieu. Et quand vous résolvez forme éthérée, si vous réussissez votre évasion, vous vous désengagez de tous. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt parce que... si vous jouez forme éthérée, c'est pour traverser un lieu. En fait, plus exactement, c'est pour sortir d'un lieu sans attirer les ennemis. Donc pourquoi le faire depuis un lieu connexe? Il suffit d'entrer dans le lieu, de le résoudre dans le lieu, mais bon. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va revenir quand même à l'intérêt de cette amélioration, c'est ça. Si un symbole a été révélé lors de cette tentative d'évasion, renvoyez l'événement en question là dans votre main à la fin de votre tour. Comment formuler ça? Donc, quand vous jouez un de ces 3 événements-là, vous voulez sortir un pion avec un symbole. Mystique, c'est la classe de la manipulation des pions du chaos. On est dans le 10e cycle, 9e après la boîte de base, et dans les 6e et 9e après la boîte de base, qu'est-ce qu'on a? On a les pions bénis et maudits. Bénis et maudits, ce sont des symboles. Donc, qu'est-ce qu'on peut... ce sont des symboles, voilà. Dans le set mouillé jusqu'au cou, on avait les traités, qui ont tous les 5 un effet du style « quand vous révélez un pion », vous ne résolvez que lui, ou vous l'ignorez, ou enfin bref, s'interagit avec les pions, ça sert à stabiliser les decks bénis ou maudits. On a les faveurs, soit de la lune, soit du soleil, qui font que quand on devrait révéler un pion chaos, on dit, à la place, je choisis un des pions, un des jusqu'à 3 pions scellés dessus, et c'est lui que je résous. Donc, par exemple, au round N, vous jouez Faveur de la Lune, vous scellez 3 pions maudits dessus, ensuite vous jouez Lire les signes, vous dites je résous un pion maudit de Faveur de la Lune, donc Lire les signes de niveau 2 me remontant en main à la fin du tour,
Rand n plus 1, même chose. Rand n plus 2, même chose. Grâce à faveur de la Lune, vous êtes assuré que votre événement vous revienne en main à chaque utilisation et à 3 reprises. Même chose pour faveur du Soleil. On a Olive McBride, niveau 0 ou niveau 2, bah tout simplement, vous jouez un de ces 3 événements sort, vous dites je vais piocher 3 pions pour en résoudre 2 ou 4 pions pour en résoudre 2, et là ce que vous voulez, c'est un symbole. Alors, un symbole qui vous fait pas échouer quand même. Mais, d'ailleurs, je vérifie un truc. Voilà. Si un symbole a été révélé lors de ce test, si vous échouez et qu'un symbole a été révélé, ça vous remonte quand même en main. Mais vous avez échoué. Donc, voilà. Ce qui, au passage, tiens, j'avais pas pensé, veut dire que, et ça, à la limite, même, enfin, pour 2 XP, si vous pensez gagner beaucoup d'XP, il y a quand même un avantage déjà de base, c'est la protection contre l'échec automatique. Vous jouez forme éthérée, vous piochez un échec automatique, c'est un symbole, fin du tour, vous récupérez forme éthérée en main. Vous avez quand même à gérer les ennemis ce tour-ci, mais prochain tour, vous pourrez retenter la forme éthérée. Voilà. Ces événements-là, intéressants dans un deck Jim Culver, parce que... Alors Jim Culver, il traite les modificateurs des crânes comme si c'était des zéros. Alors il traite que le modificateur comme un zéro. Hein. Bon, chaque fois qu'il révèle un pion signe des anciens, il peut considérer comme un crâne. Donc Jim Culver, il y a des chances pour qu'on le joue de telle sorte à ce qu'il ait des crânes. Enfin, comment dire. Jim Culver incite à jouer la manipulation de pions du chaos. Parce que chaque fois qu'il pioche un crâne, il a de bonnes chances de réussite. Normalement, même chaque fois qu'il pioche un crâne, il réussit son test. On peut lui donner des cartes qui bénéficient des pions crânes, du style atrophie ou sixième sens ou autre. Et si on joue les pions bénis ou maudits, on peut lui donner la malédiction millénaire. Voilà. Quand un deuxième pion maudit est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la malédiction millénaire, annulez ce pion et traitez-le comme un pion crâne à la place. Vous pouvez choisir de retirer ces 2 pions de la réserve du chaos après la fin de ce test. Donc vous faites un deck Jim Culver. Allez, mettons que c'est l'enquêteur du groupe. Vous dites, je joue lire les signes. J'utilise Olive McBride de niveau 2. Je révèle 4 pions. Sur les 4 pions, je résous le... Je prends un bon exemple. Sur les 4 pions, je résous le maudit et le moins 2. Ok. Avec le maudit, je dois piocher un autre pion. Je résous à la place un maudit qui est attaché à... qui est scellé, je vais y arriver. Qui est scellé à faveur de la lune. 2 pions maudits, j'active la malédiction millénaire. Je considère le deuxième pion maudit comme un crâne. Donc niveau modificateur, le moins 2, c'est moins 2. Le premier pion maudit, c'est encore moins 2. Le crâne, c'est 0. Modificateur total de moins 4. Je testais à 7. 7 moins 4, ça fait 3. Si le lieu avait une valeur occulte de 3, c'est réussi. Test réussi, donc 2 indices. Il y a un pion avec symbole qui était pioché. Donc à la fin du tour, lire les signes de niveau 2 remonte en main. Les 2 pions maudits, je vais les remettre dans la réserve du chaos. Et si j'avais la trompette en main, voilà, la trompette en main, comme un pion crâne a été révélé, je soigne une horreur d'un investigateur dans le lieu ou dans le lieu connexe. Voilà. Donc voilà Jim Culver qui incite à la manipulation de pions. Eh ben, a tout intérêt à jouer ces 3 événements-là. Et alors, il y a plein de choses à dire, donc je vais m'arrêter sur un dernier truc.
Père Matteo. Alors, je vais y revenir. Père Matteo, Père Matteo. Père Matteo, lui, son truc, c'est quand il pioche le signe des anciens, il réussit automatiquement. Et après la fin du test, il a un bonus. Avec Bénédiction d'Isis, il peut transformer le deuxième pion béni pioché lors d'un test en signe des anciens. Il met dans son deck de la manipulation du sac du chaos, typiquement Olive McBride. Et donc lui, par rapport à Jim Culver, sa logique, ça sera « Je veux deux pions bénis, le deuxième est considéré comme un signe des anciens, je remets les deux pions bénis dans le sac, j'ai réussi automatiquement, donc j'ai mes deux indices, ou mes trois dégâts, ou ma super évasion, l'événement remonte dans ma main à la fin du tour, et j'ai mon bonus. » Voilà. Voilà, voilà. Donc, le petit bilan de ces événements-là. Alors déjà, le truc, c'est vrai que j'avais oublié de considérer. L'avantage, c'est que vous êtes immunisé. Enfin, immunisé. Si vous piochez un échec automatique pendant que vous faites ce test-là, la carte vous remonte en main. C'est déjà ça. Si vous jouez à haut niveau de difficulté, c'est vraiment très bon. Parce que cette carte-là augmente fortement vos chances de réussite, elle améliore l'effet, hein, c'est deux indices au lieu d'un, ou deux voire trois dégâts au lieu d'un, de l'évasion contre plein d'ennemis au lieu de contre un seul, ok. Et là où vraiment ces événements-là prennent, enfin les deux XP sont les plus rentabilisés, c'est si vous avez de la manipulation du sac du chaos. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. 35 minutes d'enregistrement, ça suffit, donc je vais m'arrêter là, et prochaine vidéo, prochaine et avant-dernière vidéo pour les mystiques, magie de l'éther et la clé de Salomon. Voilà, voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.